Au commencement, un petit groupe de jeunes du pays, les Picabouic. Au fond d'une salle de bar, ils préparent leur événement de l'année, la fête du Vieux Val. Et ben alors, les Picabouic, ça fait maintenant 9 ans qu'on existe. Les Picabouic, ça veut dire les pivers en patois à Valin. Elle existe depuis 9 ans parce que ça a été l'initiative de parents qui ont perdu leurs enfants avec un peu des drames. Donc ils nous ont demandé de mettre en place un peu des animations dans Val d'Isère pour que les gens puissent se retrouver. Et puis avec le fil des temps, surtout, on se concentre maintenant surtout sur la fête de Val d'Isère qui sera donc le 22 juillet. Et là, on vient de finir le débriefing pour passer l'une des plus belles journées encore de l'année pour Val d'Isère. Voilà. Le gros du morceau, c'est le défilé de chars. Le thème de l'année, le cinéma. Alors Jean-Paul, qu'est-ce que tu nous prépares là ? Eh bien écoute, un char pour le défilé des Picabouic avec Vivre Libre et Vivaldis évidemment. Donc le sujet, c'est les temps modernes. On a voulu montrer, si tu veux, cette scène mythique du tapis roulant où ils vissent les boulons. Donc on a tout un tas d'idées derrière qui viendront ajouter un plus à ce simple char, hein, il y aura des gens autour. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est cette fameuse scène où Charlot trouve un drapeau qui est tombé d'un camion et court après le camion pour que le camion récupère le drapeau et il n'a pas vu qu'il y avait une manif derrière. Donc on aura la manif, et on aura le char avec les boulons. Évidemment, donc tout est en noir et en blanc. Donc il y a le tapis où il va y avoir trois personnages, un Charlot et deux ouvriers qui vont boulonner, évidemment, comme dans le vrai film. On s'y prend toujours 6 mois à l'avance pour avoir l'idée et 5 minutes pour la réalisation. C'est ça le génie. Je remplis des sacs de confettis pour la bataille de confettis qui doit avoir lieu vers les 16h, je pense, dimanche, pour la fête du Vieux Val. Il y a un sac énorme, là. Regarde derrière toi, il y en a 5 autres. On a mis le paquet sur la bataille de confettis parce que tout le monde adore ça. Et quand 15 jours, 3 semaines après, on voit encore plein de confettis dans la rue, c'est le bonheur. Alors cette année, on fait Charlie Chaplin, Les Lumières de la Ville et puis Les Temps Modernes. Donc tout du Charlie Chaplin avec, je vois, de jeunes apprentis. Bah exactement, il faut qu'ils apprennent tôt, comme ça les prochaines années ils me remplaceront. Enfin, ils sont pas prêts de me remplacer parce que c'est un truc que j'adore faire les chars. Alors. D'où vient l'idée de faire du Charlot ? Alors l'idée, on l'a eue tous ensemble avec les enfants. Parce que l'important, c'est de les faire participer. Donc on a une idée ensemble et puis là, il me donne un petit coup de main aujourd'hui. Si on n'est pas du tout en retard. Oui, on est à la veille du défilé, tout va bien. Hein. Ouais, 2-3 bricoles, un coup de passe à mettre à droite à gauche, un peu de moquette. Qu'est-ce qu'on a ? Les tenues, on les a, hein, les enfants. On a les chapeaux, on a les cannes. Normalement, on devrait être prêt. Il n'y a que moi qui ne suis pas prêt, j'ai pas ma tenue encore. Mais bon. Association particulier, chacun prépare son char dans le plus grand secret, à l'abri des regards, et c'est la surprise pour tous lors du passage devant le public dans une rue gorgée de monde et heureuse de faire partie de la communauté avaline. C'est un char absolument invraisemblable, une voiture sur le toit. D'abord, est-ce que c'est une vraie voiture ? Oui, c'est une vraie voiture. C'est une voiture de marque italienne, disons, qu'on a transformée en voiture de marque française. C'est la première fois qu'on le fait, ça. Oui, je crois que ça s'est jamais vu. Disons que je me suis servi comme support d'une petite panda pour faire la déesse qui tournait dans le film de Rabbi Jacob, voilà. Et donc qui était à l'envers sur le bateau. Voilà, il y a un moment où Rabbi Jacob dit à sa femme que Salomon est juif, et Salomon écoute, son conducteur, il écoute, et il perd le contrôle du véhicule, et comme ils ont une barque sur le toit, ils partent à l'envers sur le lac qui est au bout de la route,
Et la DS retour à l'envers sur la barre. Mais cette voiture, elle appartenait, j'imagine, à quelqu'un. Pour la transformer comme ça, c'est un vrai plaisir pour le propriétaire de se retrouver avec une DS quand on a une Fiat Panda. C'est mon ancien Panda. C'est pour ça que ça n'a pas de plaisir de la transformer en DS. Bon, enfin bon, a priori, le résultat a l'air bon, ça y ressemble un peu. Mais bon, ça n'a pas été évident quand même, parce que avoir le projet et le réaliser... Même moi, j'ai eu des doutes. Hein. Et je me souviens avoir terminé à 1h du matin, 1h30 du matin, et revenir le lendemain matin, enlever tout ce que j'avais fait, puis tout recommencer parce que ça ne me plaisait pas. T'as fait ça toute ta vie ? Thank you.
juste là.